Coucou, allez, on ressort la caisse de la postière, de la factrice, et on fait toujours l'appel, hein. Voilà, alors attendez, je ne sais pas comment me mettre, mais c'est pas grave, on va se débrouiller. Bon, finalement, je l'enlève, je le remets. Donc, il y en a encore pas mal aujourd'hui, donc je vais donner les noms quand il y en a, mais là, il n'y en a pas déjà. Donc, une enveloppe comme ceci, avec un timbre gris et à l'intérieur un papier, une feuille à carreaux. Voilà. Ensuite, une belle enveloppe craft de Marie-Pierre B du 17. Ensuite, une enveloppe toute rose de. Alors, faudrait je prendre un petit bout de papier. Attendez. Attendez, attendez. Je vais prendre l'ATC de Catherine. Ça sera parfait. Voilà, ça rentre. Voilà, une enveloppe toute rose de la Fée d'Irlande. C'est Josiane P du 58. Oh là, fou! Une grande, grande enveloppe. Alors là, l'ATC, elle pourra jamais. Elle pourra jamais cacher l'adresse parce qu'en fait c'est une grande enveloppe et de l'autre côté il y a toute l'adresse qui prend toute la place. Alors de Adeline F du 77. Voilà, je pense que tu vas te reconnaître. Ensuite, ici une enveloppe à craft. Dedans, une enveloppe pour Monique et une autre pour Corinne. Bon. Alors, Sylvire, excuse-moi, je ne connais pas. Elle, du 79. Voilà. Ensuite, pour Monique, une grande enveloppe de Béatrice C du 85. Pareil, là, j'ai pas assez de place pour cacher mon adresse. Une grande enveloppe comme ça. Ensuite, une petite enveloppe à craft de Cathy du 61. Comme ça. Voilà. Ensuite, une enveloppe avec un joli tamponnage dessus. De Marie-Laure S du 02. Comme ça. Ensuite, une autre de Séverine C du 45. Dans une enveloppe comme ça. Ensuite, une enveloppe à bulles. Daniel C du 13. Là, ça prend toute l'enveloppe. Donc, je vais juste montrer le masking tape qu'il y a derrière. Je pense que tu vas le reconnaître. Ensuite, une grande enveloppe à bulles aussi, comme ça, de Christiane R du 59. Ensuite, oh, de Chalou, non, de Christine, pardon, de Strasbourg. Une enveloppe toute plastifiée, comme ça, de la Poste. Ensuite, alors là, il n'y a rien de marqué, donc une petite enveloppe comme ça. Donc je ne sais pas. On va continuer avec Christine G du 22. Comme ça, avec derrière un masking tape comme ça. Alors l'enveloppe où il n'y avait pas de nom. Mamie est en train de l'ouvrir, on va vous dire. Alors là. Est toute mignonne, c'est la toute petite de Nicole K du 76. Le Havre. Ensuite, une autre de Nathalie F du 60. Voilà. Ensuite, Corinne et Mamie Cole qui vient de. Si, non, il n'y a rien d'autre. Alors, attendez, je vais vous montrer après. Béatrice Merci. de Belgique. André G. Alors. André G, ouais, André.
peut-être ça s'ouvre, non? Non, je crois pas que ça s'ouvre. Non, bah à l'intérieur, il y a une petite carte comme ça. Alors, je pensais que ça s'ouvrait, mais non. Voilà, il y avait une petite ouverture là. Voilà. Bah je. Voilà, comme ça. On va remettre dans l'enveloppe. Comme ça, s'il n'y a personne qui a envoyé, elle est rassurée. C'est bien arrivé. De Isabelle D du 86. Ensuite, une enveloppe à bulles de Nathalie G du 45. Comme ça. Ensuite, encore avec des timbres à récupérer. Ceux-là, il n'y a pas du tout. Il n'y a pas un seul. Regardez sur le timbre, il n'y a rien du tout de. De Evelyne V du 44. Voilà. Ensuite, une petite enveloppe jaune comme ça de Séverine L du 76. Neuville-les-Dieppe. Ouais. C'est pas loin de chez mes parents. Ensuite, avec un timbre tout chou. Regardez, une petite souris comme ça. De Monique B du Limousin. Ensuite. Ah, bah là, il n'y a rien de marqué derrière. Donc, une enveloppe comme ça, avec un timbre comme ça. Voilà. Ensuite, une enveloppe toute blanche de Nathalie C du 37. Comme ça. Et derrière, il y a du masking tape avec des petites fleurs. Voilà. C'est pas fini. Une petite enveloppe de Madame F du 60. Je sais pas, parce que comme il n'y a pas de prénom, je veux. Bon, les noms de famille, je sais pas. Michel. Michel. Ça vient de Michel. Alors, je vais montrer la carte. Voilà. Celle où il n'y avait pas de nom, c'est cette carte-là, si la personne se reconnaît. Et c'est signé Michel. Michel G du 17. Oh! Oh! Bah alors là, c'est la fête! Les trois timbres n'ont pas du tout été oblitérés. Avec une belle écriture. Lali P du 33. Les créas de Lali. Voilà. Ensuite, pour Monique, de Anne-Marie B du 31. Ensuite. Ah, c'est de l'autre côté. De Nathalie L, de Natafé sur YouTube, qui est à Dieppe, dans le 76 aussi, le département de maman. Ensuite, ici, avec un timbre papillon de Mag Créa, Magali, du 89. Voilà. Ensuite, une enveloppe en longueur, comme ça, de Laetitia du 31. Et encore de Sandrine P du 66 avec une enveloppe toute carrée comme ça. Et encore deux. Tiens, si tu veux, je te donne ça. On fait un échange. Pour la Micole. De la part de Nadia du 41. Et la dernière pour aujourd'hui de Valérie B du 24. Voilà. Une grande enveloppe blanche comme ça. Voilà. Bah écoutez, c'est encore un bel arrivage aujourd'hui. Hein. Je vais remettre ça dans la petite pochette, le petit ATC là. Hop. Comme ça, c'était pile poil pour cacher les adresses. C'était parfait. Donc, encore, bah, tout ça à ouvrir. Hein. Voilà. Alors, non, ça, c'est à moi, ça. Elle m'embarque mes trucs. Ouais, ça, c'est voilà.
Bah écoutez, un grand merci. J'espère que vous avez entendu votre nom. Alors je sais qu'il y a des personnes qui me demandent en privé, est-ce que tu as bien reçu ma lettre et tout. C'est pour ça que je fais les appels en vidéo, la liste en vidéo, parce que bah, je peux pas me rappeler de tout le monde, si on a reçu, si on n'a pas reçu, parce qu'entre les prénoms, les pseudos, les noms, les machins, les trucs, puis il y a des noms qui se ressemblent, et puis tout ça, je peux pas vous dire. Alors je suis désolée, il va falloir que vous tapiez toutes les vidéos, parce qu'en plus je montre les enveloppes pour que vous voyez, vous reconnaissiez bien vos envois. Donc je suis désolée, je ne peux pas rechercher partout si j'ai bien reçu votre courrier. C'est bien pour ça que je fais les vidéos, pour ne pas avoir à rechercher dans tout, parce que vous voyez la quantité que ça fait, c'est quand même assez énorme. Je vous fais des bisous, j'espère que vous comprendrez, mais je pense que oui, parce que j'ai une communauté très compréhensible, formidable et géniale. Donc oui, je pense que vous comprenez. Je vous fais des bisous et je vous dis, là on est vendredi, donc je referai très certainement une ouverture demain samedi. Normalement il y a du courrier qui passe, donc je pense qu'il y en aura encore un petit peu. Voilà, on en est à peu près 350. Pardon. Je vous fais des bisous et je vous dis à très très bientôt.